pas de doute, le 53e Festival de Cannes a bel et bien démarré. Et pour preuve, dans quelques instants, on suivra la montée des marches du premier film français en compétition. Il s'agit de Harry, un ami qui vous veut du bien. Un premier film, un long métrage signé Dominique Moll qui constitue une divine surprise. On va beaucoup en parler au début de ce festival. Et on n'en parlera pas plus tard que demain, d'ailleurs, avec l'actrice Sophie Guimain, que vous avez pu repérer dans L'Ennui. Et il y aura également le co-scénariste du film qui s'appelle, pour sa part, Gilles Marchand. À venir également dans cette émission, un invité qui vous veut du bien, en règle générale. Il s'agit de Jamel Debbouze, qui sera parmi nous dans un petit moment. Quant à notre... Il y aura aussi le journal du festival d'Isabelle Giordano, comme tous les soirs, dans la première partie nulle part ailleurs. Quant à notre première invitée, elle devrait se méfier du bras qui va la toucher dans deux secondes, celui de mon camarade Alex. Il ne fait pas beau, Virginie, depuis deux jours à présent. Non, Alexandre, il ne fait pas beau. C'est vrai. Ravi de vous accueillir. Vous avez déjà monté les marches. Moi, jamais. Quelle est la technique? Bon, petit budget, hein, désolé, on a la gorge. L'idée, c'est de faire en sorte que la jeune fille qui porte des talons, la jeune femme, l'actrice... Oui, bien sûr. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Donc je la tiens. Voilà. Non, élégamment. Pardon. Voilà. Merci. Non, non plus. Non plus, non, pardon. Une chose, on se tient la main comme ça. Ah, on se tient la main. Mais j'osais pas, c'est pour ça. J'étais un peu ému en même temps. On y va. Et on monte comme ça, exactement. Tous les deux. Exactement. D'accord. Oui. Oh la vache. Mesdames, messieurs, on peut applaudir ce soir Virginie Ledoyen, notre amie. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Bien là comme ça. Ah oui. Ça va bien. Pardon. Installez-vous. Bonsoir Virginie. Bonsoir. C'est toujours un plaisir, etc., etc. Moi aussi, etc., etc., etc. Alors, ça va bien, bien? Oui, ça va très bien. Bon, vous disiez hier qu'à l'époque, c'était un rêve de venir à Cannes. Aujourd'hui, c'est quoi? Ça représente quoi pour vous? Ça représente... Mais c'est toujours... C'est moins un rêve parce que c'est plus la première fois que je viens, donc je commence à connaître les rouages de Cannes. Et en même temps, c'est beaucoup d'excitation, d'adrénaline... C'est fatigant, mais en même temps, c'est toujours aussi magique. D'accord. Et pour ceux qui pourraient penser que vous avez terminé ce que vous avez à faire, c'est pas vrai, parce qu'il vous reste la clôture à présenter. Absolument. Après la cérémonie d'hier, et hier d'ailleurs, donc vous avez profité de cette cérémonie pour rappeler au monde entier que vous avez monté les marches du palais pour la première fois, c'était je crois en 94, oui. Pour le film de Olivia Sayas qui s'appelle « L'eau froide ». Et puis tout à coup, on s'est souvenu des caractéristiques de votre carrière qui est en vrac, hein, précoce. Très dense, très variée, internationale maintenant, et parfois même un peu publicitaire, ce qui n'est pas... Aussi. On va revenir sur tous ces aspects, mais ça fait combien de temps que vous faites du cinéma? Ça paraît assez stupéfiant quand on le dit. J'ai fait le premier film, le premier long-métrage que j'ai fait, j'avais 9 ans, donc ça fait 2 ans. Non, ça fait donc 14 ans. Non, j'ai pas... non, pas du tout. On connaît pas votre âge, donc on peut pas vous dire. Je crois que c'est en 86, il me semble. Enfin bon. Oui, voilà, c'est pas ça. Non. Bref, je ne sais plus. Enfin, vous avez 13 ans et tout va bien. Mmh. En tout cas, on a vu à plusieurs reprises dans les magazines, et pas seulement à l'occasion du remake de En cas de malheur, on a vu des journalistes vous comparer à Brigitte Bardot. Alors, on ne va pas vous dire, est-ce que la comparaison, ça vous fait plaisir? Parce que je pense que bien sûr que oui. Mais est-ce que vous trouvez peut-être des points communs avec elle? Non. Non? Non. Bah, c'est pas grave. Mais... Non. Sinon, ce serait qui votre modèle? Mais c'est dur d'avoir un modèle parce que du coup, il faut l'égaler et puis généralement on ne surpasse pas. Donc, mais les actrices qui pour moi sont des modèles, c'est Isabelle Huppert, c'est Sophie Marceau. Ok. Et puis plein d'autres. D'accord. Bah, Isabelle Huppert que vous pouvez croiser à Cannes parce qu'elle sera là très vite et d'ailleurs à votre place dans très peu de temps pour Saint-Cyr. En tout cas, donc on a épluché votre filmographie qui est déjà très étoffée, donc il fallait tailler pour concocter ce montage à votre gloire entièrement qui est signé ce soir Stéphane Carrel. Pas mal. Ça vous va bien cette petite tenue? Je vous remercie, la vôtre également. Merci, ça c'est gentil. Alors je sais pas si vous jouez à la Barbie, mais Barbie avait sorti il y a longtemps des poupées à l'effigie d'actrices, comme Vivien Leng dans Autant n'importe le vent, ça va aller, ou Audrey Hepburn. Et bien maintenant, il y a celle-ci. Regardez, c'est pour vous, on vous la donne. C'est Elizabeth Taylor en deux versions, soit robe de mariée ou soit Cléopâtre. Vous prenez laquelle? Et bien prenez les deux. Voilà. Cadeau. C'est gentil, merci. Vous avez une petite sœur, un truc comme ça? C'est pour l'âme phare, non? C'est caritatif, non? Ouais, je pense. Non, je crois pas. Non, pas du tout. Non.
Alors, donc, hier, vous avez fait orchestrer la cérémonie d'ouverture. Donc, la clôture, je rappelle, c'est le 21 mai. Ça veut dire que maintenant, pour employer un mot qui n'est pas forcément charmant, vous faites partie des meubles du cinéma français. Mais là, on est venu vous chercher pour faire ça. Et vous, oui. Qu'est-ce que vous recherchez en le faisant ? J'ai pas recherché quelque chose de particulier. Quand Gilles Jacob et Michel Denisot m'ont proposé d'être maîtresse de cérémonie, j'ai pas réfléchi, j'ai dit oui immédiatement parce que le Festival de Cannes, c'est pour un acteur un des événements les plus importants. Et puis d'essayer de le faire au mieux, mais sans, je cherche pas à tirer profit de ça. Je pense que c'est un joli cadeau et d'essayer de le faire au mieux. Je parlais pas de profit, peut-être simplement de plaisir. Oui, mais c'est très excitant et ça fait très plaisir. C'est ça, comment vous avez procédé? Vous avez regardé un peu ce qu'avaient fait vos consoeurs, Isabelle Huppert ou Jeanne Moreau, en regardant? Ça doit être une sensation assez dingue quand même, de se retrouver devant le métier comme ça. C'est assez ahurissant, oui. Avec la petite jambe qui tremble? Avec la petite jambe qui tremble et heureusement pas mes lunettes, donc un flou artistique. D'accord. Alors on vous a suivi en coulisses avec autorisation et puis on a mélangé tout ça avec des images de la cérémonie à proprement parler que voici. Et on a aussi, au cours de cette cérémonie, entendu le laïus très marrant de Luc Besson à destination du Premier ministre qui était présent, ce dont on a beaucoup parlé hier. Je sais que vous vous intéressez quand même un peu aux aspects, disons, politico-culturels. Vous avez suivi ce qui s'est raconté hier sur le devenir, le destin du cinéma français? Très peu, malheureusement. Non, j'ai regardé tout à l'heure le supplément du Monde où j'ai pu un peu voir, mais... Parce que je ne vais pas plomber l'ambiance, mais on raconte, on dit, en ce moment on constate que le cinéma français fait 30% de part de marché seulement, ouais. Et que s'il perd encore 5%, c'est une catastrophe. Donc vous qui travaillez en France et à l'étranger, est-ce que vous pensez que ça craint? C'est assez flippant, oui. Ouais. Mais c'est toujours... Enfin, je suis désolée, je vous réponds de manière comme ça. Oui, oui, effectivement, ça craint. Mais on met beaucoup de temps pour parler de cinéma. Et si on réduit juste le cinéma français à ce... Enfin, je sais plus ce que je veux dire. C'est vrai? Non, c'est la question qui vous pose problème. Oui, parce que je la trouve presque ridicule. Non, ridicule, voyons, Alexandre. Et vous n'avez jamais fait de théâtre, je crois? Non. Si. Ah, j'avais fait une pièce de Robert Hossein qui s'appelait L'affaire du courrier de Lyon. Mais ça vous brancherait de monter sur les planches? Parce que quand on vous voit comme ça sur le palais, sur la scène, on se dit tiens. Oui, je sais pas, ça me ferait très peur. Non? Ah bon, d'accord. On va retrouver Omar et Fred. Ah bonsoir. Qui doivent être dans les parages. Allô les garçons, est-ce que ça va bien? Oui, bonsoir Virginie. Bonsoir. Bon, moi personnellement, j'adore tout ce que vous faites. Hein. J'ai tous vos shampoings. Bonsoir, moi je voulais vous poser une question, Virginie. Comme vous avez déjà monté les marches, je voulais vous poser la question, c'est, ils vont où les gens après? Parce qu'on les voit jamais redescendre. Il y en a même qui sortent par derrière. Hein. Alors, si vous avez été choisie, Virginie, c'est aussi parce que vous avez une renommée internationale. C'est vrai que les nombreux étrangers qui étaient aussi dans la salle hier soir vous connaissent maintenant. Comment vous avez vécu, vous, cette sorte d'explosion autour de vous depuis maintenant un an, vraiment? Curieusement, quand on a fait avec Guillaume la promotion de La Plage, on a beaucoup voyagé et ça va très très vite. Donc finalement, on ne se rend pas réellement compte des répercussions que ça peut avoir. Quand la presse est sortie en France, on n'était pas en France. Donc on n'était pas réellement là. Et je vois pas nécessairement une grande différence. Enfin, bien sûr que si, médiatiquement. Mais en même temps, je fais toujours les... Quoi? Non, je fais comme non, ça. Mais, oui, mais si, mais c'est pas quelque chose que je regarde et auquel je me dis, alors qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Bien sûr, il y a plein de choses qui sont différentes. Évidemment, si je n'avais pas fait La Plage, j'aurais certainement pas présenté la cérémonie d'ouverture hier, bien entendu, mais c'est pas quelque chose qui est quantitatif. Enfin, on peut pas. Pour ceux qui s'inquiètent, il se passe toujours rien sur les marches, hein, donc on assistera à la montée avec Frédéric Benudis d'ici un petit moment. Quelqu'un a merdé avec le tapis rouge, je ne sais pas ce qui se passe. C'est ça. On peut peut-être rappeler quand même que vous avez démarré avec des gens importants, mais plutôt des auteurs, hein, comme Benoît Jacquot, oui. Assayas, etc. Est-ce que vous sortiez d'un cinéma qui vous poussait à aller vers un milieu artistique comme ça? Le cinéma, vous parlez de... Est-ce que je parle de votre milieu familial, est-ce qu'on vous poussait à aller dans cette direction-là? Me pousser, c'est pas le métier de mes parents, mais c'est vrai que j'ai un père qui est très cinéphile, donc qui m'a beaucoup emmenée au cinéma, et puis après c'est un hasard, un casting, et
on cherche une petite fille qui a votre âge et vous faites le casting, ça marche. Et puis les choses ont eu, j'ai eu la chance que les choses s'enchaînent plutôt naturellement et progressivement tout en continuant à aller à l'école et sans non plus que ça, quand on parlait d'explosion, sans que ça arrive à 13 ans ou à 14 ans. Donc je ne sais pas si j'étais, je crois pas que j'étais prédisposée pour, mais il y a eu un concours de circonstances qu'on fait que ça s'est fait plutôt naturellement. En fait, et prochainement, on va vous retrouver en Cosette. Dans Les Misérables, on va parler un peu de ça. C'est un téléfilm en 4 épisodes, signé donc par l'incontournable José Dayan. Ça va aller avec Depardieu, Clavier, Jeanne Moreau. Pourquoi vous la fiction télé? Pourquoi pas, surtout. Bien sûr, ouais. Bah, non, c'est simplement José Dayan qui... Bon, alors évidemment, José Dayan adapte pour TF1 des grands classiques avec Gérard Depardieu. Mais c'est une femme qui est pour moi une cinéaste, qui m'a proposé le personnage de Cosette, qui est quand même un personnage qui est mythique. Et avec un casting ahurissant. Et puis on la suit, après on tourne en 35, on tourne de la même manière, on tourne peut-être un petit peu plus vite, mais c'est pas plus mal, on attend moins. Et je fais pas de distinction entre la télé et le cinéma. Alors, il y en a deux qui déplorent fortement de ne pas avoir été choisis pour jouer les Thénardier, c'est Omar et Fred. Oui, Virginie, vous avez tourné Les Misérables à Prague, mais à Prague pourquoi? Parce que les Tchèques, ils sont toujours en costume d'époque, c'est ça? Il y a aussi Asier Argento dans le et film. Charlotte Gainsbourg et John Malkovich, une pléiade de grands acteurs. Bon monde. Vers à 5 ans d'ailleurs. Je crois que c'est prévu la diffusion pour cet automne. Alors ça par contre, je ne suis pas certaine sur les grilles de programme, mais j'imagine. Ok. Vous restez avec nous? Tout à fait. Ça fait plaisir. On va faire un petit break. On suivra bien sûr le zapping. Isabelle Giordano va venir nous rejoindre avec son journal du cinéma du festival sous le bras. Pour le moment, un petit peu de musique. Ça nous fait bien plaisir. Elles ont décidé de jouer rien que pour vous ce soir. C'est le groupe Top Départ. En direct sur la croisette avec notre invité Virginie Ledoyen qui a présenté avec talent une très belle robe la cérémonie d'ouverture hier soir et qui, à mon avis, est impatiente d'entendre Omar et Fred. Moi, je voulais poser une question à Virginie parce qu'on dit toujours, bon, je sais que vous n'aimez pas qu'on parle de DiCaprio, hein. Enfin, là, on est à Cannes, tout ça. Bon, moi, je comprends personnellement. Alors, mais la question qu'on se pose. Il est sympa, DiCaprio, ou pas? Oui, il est très sympa. D'accord. Mesdames, Messieurs, on peut applaudir Isabelle Giordano qui est à nos côtés. Bonsoir. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonsoir Virginie. Bonsoir. On va se retrouver dans quelques secondes. Pour le moment, on va foncer, on va aller voir Frédéric Benudis, il est aux marches. Fred, ça va bien? Ça va, bonjour à tous. Très belle robe Isabelle. Il y a quelqu'un qui vous veut du bien ce soir, c'est Harry, c'est le héros du deuxième film de Dominique Moll. Harry, un ami qui vous veut du bien. C'est en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure Philippe, le premier film français présenté en compétition. Et c'est l'équipe qui monte les marches, vous allez le voir tout de suite. C'est-à-dire Dominique Moll avec les lunettes, le grand monsieur. Le voici, je crois, je vous le voyez derrière moi. Il y a également Sophie Guillemin, qu'on avait découvert dans L'Ennui. Il y a Mathilde Seigné, là, qui est de dos en vert, qui a explosé là récemment dans Belle Maman, Vénus Beauté. Avec la barbe, c'est Laurent Lucas. Et à gauche, c'est Sergi Lopez, habitué des films de Manuel Poirier. On ne sait pas grand-chose sur Dominique Moll. On sait qu'il a fait 6 courts-métrages. Il y en a un, j'aime bien le titre, qui s'appelle « Le gynécologue et sa secrétaire », mais je n'ai pas pu le voir. On sait que ce film-là, c'est un beau film, vous l'avez vu, je crois, ce matin. C'est une comédie grinçante. C'est l'histoire d'un homme aisé qui tombe sous le charme. Il s'approche de moi, donc je vais essayer de poser quelques questions aux actrices. Ils disent d'abord bonjour à Gilles Jacob. Je peux appelle-les? Oui, je vais leur... Je vais... Oh, madame! Appelle-les gentiment. Ouais. Voilà. Oh, t'es proche. Oui, je suis pas très ça loin. Ça s'approche, Fred. En qui maintenant? Bonsoir, Fred. Vous êtes en direct dans Nulle part ailleurs. Mathilde Seigné. Vous n'avez rien gagné. Sophie Guillemin avec nous. Est-ce que vous avez aussi des amis qui vous veulent du bien en général? Comme Harry ou pas? Comme Harry, c'est-à-dire pas très clair. Oh, il y en a sûrement, ouais. Ouais, il y en a sûrement. Et vous, Sophie?
Bah oui, mais je ne sais pas, sinon ce ne seraient pas mes amis. Voilà. Ça vous excite cette projection ce soir? Non, d'un point de vue cinéphile et de star, évidemment, d'actrice. Mouvant. C'est la consécration du film, quoi. On va espérer qu'il marche le mieux possible. Voilà. Merci. Tu peux saluer. Vous verrez Sophie Guimain demain, je crois, dans l'émission. Absolument. Et je crois que Nagui va recevoir très bientôt Mathilde Seigné également. Et tu as raison, le film est vraiment formidable, on a trouvé. Voilà. Quelques informations sur le marché du film, ça vous intéresserait? Oh, pas tout de suite, tout de suite, là, dans quelques petites minutes. Pas de problème. Merci Fred, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, le journal du festival avec Isabelle Giordano, c'est juste après ça. Non, il n'y a pas le jingle? Eh bien, c'est pas grave, on va enchaîner comme ça. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors, Virginie. Bonsoir. Eh bien, comme d'habitude, hein, avec le journal du festival, on sait à peu près ce qui se passe à Cannes. Tout qui est ici, qui est à Cannes, qui vient d'arriver, nos caméras, donc comme d'habitude à l'aéroport. Avec notamment, vous allez le voir en fin de sujet, un acteur, je crois que vous aimez bien, enfin tout le monde l'adore. Et c'est vraiment lui qui a battu aujourd'hui le record de signatures d'autographes à l'aéroport de Nice. On regarde tout de suite les images. Suspense, hein, on ne dit pas le nom tout de suite. On ne dit pas le nom tout de suite. Bon, non, il ne va pas tomber votre micro. Hein. Jennifer Jason Leigh, tout d'abord, qui est ici donc, pour un film qu'elle a tourné avec, avec Roman Boringer, qui est présenté à Un Certain Regard. Gene Hackman, est présent donc, hors compétition. Ce soir à minuit, il sera présenté ce remake avec Monica Bellucci de Garde à vue. Et Morgan Freeman, qui n'est pas à l'image. Et Morgan Freeman, qui n'était pas là. Jane Birkin, donc madame la présidente de cette sélection à Un Certain Regard. Gong Li, que vous connaissez bien, Virginie, l'une des ambassadrices comme vous de L'Oréal. Et Bernard Tapie, qui est à Cannes. Il est arrivé tout à l'heure, il n'est pas là pour le cinéma, il est là pour son roman. Et il a dit qu'il ne monterait pas les marches. Pour ça qu'il va reprendre le club de Cannes. Je ne sais pas. Et voilà donc l'équipe du film en photocall, c'était cet après-midi. Avec Sophie Guimain et Mathilde Seigné, visiblement très à l'aise devant les photographes. Et le voilà, le craquant, non, Virginie? George Clooney. Un frisson est passé sur la croisette, hein, faut le dire. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Qui est donc ici pour défendre le nouveau film des frères Cohen. Il est mignon, hein? Ouais. Est-ce que Marie-Fred veut réagir à l'arrivée de George Clooney? Ouais, enfin, c'est pas nous, c'est pour Isabelle, parce qu'il y a la femme girafe qui a appelé pour récupérer le collier que vous lui avez pris. Très bien. Cet après-midi, je crois que c'était donc l'ouverture de la sélection à Un Certain Regard, qui démarre en fanfare par ce que je sais d'elle, d'un simple regard, justement, avec plein d'actrices à l'intérieur. Avec plein d'actrices, il y en a 6 exactement. Et c'est vrai que c'est un très joli film. Moi, j'ai envie de dire que c'est la vraie surprise aujourd'hui, la vraie belle surprise, parce que c'est un film très touchant. D'accord. Qui parle très très bien des femmes, qui rentre vraiment dans leur intimité et qui raconte effectivement tout ce que peuvent se dire des femmes, tout ce que pensent les femmes, leurs petites histoires de cœur et compagnie. Et c'est fait par un homme, donc c'est d'autant plus intéressant. C'est un premier film qui est signé Rodrigo Garcia, qui est entre autres le fils du célèbre écrivain Garcia Marquez. Et c'est vraiment un film qui a beaucoup, beaucoup plu cet après-midi. Je vous propose de voir le réalisateur qui parle donc de ses actrices et qui nous dit, qui a confié donc à Christine Masson ce qu'il sait de ses actrices. Just by looking at her, what can you say? Complete admiration and very thankful. She was the first to come on. And, you know, the movie is large, you know, a lot of why the movie got made is thanks to her. A very funny gal. I think she did a very moving job as a blind girl, and it was enjoyable to see a beautiful woman like her play rejection, feeling rejected very well. I wrote the part especially. Cut! Bien beau sujet, Isabelle, merci. Et on peut signaler que vous, Isabelle, vous traitez tous les soirs dans une par ailleurs avec le journal du cinéma, l'actualité du cinéma. Et l'envers de cette actualité, c'est à 12h25 tous les jours, dans le journal du jour, présenté par Agnès, Mademoiselle, et Gildas, Philippe. Et je sens que quelqu'un va pas tarder à arriver là, ce serait bien d'ailleurs. Mesdames, messieurs, on peut applaudir Jamel. Pas. Salut. Bonsoir Jamel. Ça va le con?
inutile de te présenter. Tu connais Isabelle Giordano. Est-ce que tu connais Virginie le Doyen qui le vaut bien? Je connaissais Virginie Lemoine, mais je préférais quand elle était avec Laurent Gérard. J'avais prévu ça, de dire ça. Alors, Jamel, tu vas tirer comme ça gentiment le bilan d'une année qui a été assez riche, hein, parce qu'il y a eu le one-man show, la sitcom, projet avec Jean-Pierre Bacri, tournage avec Jean-Pierre Jeunet. Comment ça fait quand ça s'arrête la scène? Parce que ça vient de personne n'a de la ventoline. Bon, parce que j'ai trop fait d'efforts avant d'arriver. Comment ça fait? Fatigant, comme là. Mais quand même, ça fait plaisir parce que. Comme ça a été intense pendant à peu près 3 ans et demi, c'est bien que ça s'arrête 2 minutes. Bon, on te laisse reprendre ton souffle et puis on termine avec Isabelle Giordano alors ce soir, le deuxième film présenté en compétition, c'est Bread and Roses, le film de Ken Loach. C'est un festival de Cannes sans Loach, ça arrive extrêmement rarement. Il débarque avec un acteur qui plaît beaucoup aux filles, qui s'appelle Adrien Brody. Oh. C'est vrai que c'est un petit peu le jeune américain qui monte en ce moment, il s'appelle Adrien Brody. Il a démarré comme vous, Virginie, très jeune. À l'âge de 13 ans, il prenait déjà beaucoup de cours d'art dramatique et on l'a embauché dans une sitcom américaine. Ensuite, il a travaillé avec des gens comme Francis Ford Coppola, il a travaillé avec Terrence Malick, il était dans La Ligne Rouge, il va être bientôt dans le prochain film d'Eli Shouraki aux côtés de Andy McDowell. Donc c'est vraiment un acteur dont on parle. Dans ce film, il joue le rôle d'un syndicaliste aux côtés d'une jeune Mexicaine qui est femme de ménage. C'est dans la tradition Ken Loach, donc un film qui se passe aux États-Unis, à Los Angeles. Bien social. Et très social, voilà, typiquement dans la veine Ken Loach. Je vous propose de découvrir cet acteur, Adrien Brody, que Christine Masson, pour le Journal du cinéma, a interviewé dans une poubelle, mais vous allez savoir pourquoi. Oh là. Parce qu'on dit on se quitte en même temps, c'est bien quand vous êtes là aussi. Des petites news? Oui, je voulais juste signaler qu'à Cannes, c'est vrai qu'on parle toujours des top modèles, de la mode, et que Cannes est souvent associé à une certaine image parfois de superficialité. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Mais je voulais signaler que demain soir était organisé un grand dîner très important avec l'association Solancy et Clandestin, qui va réunir beaucoup de gens du milieu de la mode au profit donc des enfants qui sont victimes du sida ou qui sont confrontés au sida. Ils sont un petit peu plus de 25 000 en France. Et cette association donc, qui vient tout juste de naître, Clandestin, essaye de monter une halte-garderie à Paris pour s'occuper de ses enfants. Ouais. Et il faut donc de l'argent, il faut donc des sous, comme d'habitude. On a donc déjà quelques solides soutiens auprès donc de sociétés comme Lanvin, Thierry Mugler, Fred Joaillier, etc. Il y a Fred Farrugia, le maquilleur de Lancôme, Alain Chabat, Mademoiselle Agnès, Adji, que vous connaissez bien, qui vous choisit toujours de très jolies tenues. Mais il manque quand même des sous, tout ça ne suffit pas. Donc il y a donc ce dîner qui est organisé demain soir avec une grande tombola. Et si vous voulez donc envoyer des sous, n'hésitez pas, Clandestin, Paris 18e. On a vu l'adresse, tout ça, on peut envoyer un petit... Et comme ça, vous ferez également une bonne action, puis c'est une façon de participer également au Festival de Cannes. Une petite pièce ou un petit billet. Vous l'avez bien fait, tiens. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup, Isabelle. À demain, à la même heure, on peut applaudir Isabelle Giordano. Merci beaucoup. Bravo ! Isabelle Ça suffit. Alors... Est-ce que tu as vu la plage, Jamel? Bien sûr. Hein? Est-ce que tu veux revoir des images du tournage de la plage, Jamel? Bien sûr. Est-ce que tu te souviens qu'il y a Virginie Le Doyen dedans avec l'acteur américain dont j'ai oublié le nom? Leonardo DiCaprio. Alors, voici les images. C'est un film qui a réalisé plus de 2 millions d'entrées en France. Est-ce que vous considérez maintenant que c'est un succès? Et même avant, est-ce que c'est un tournant décisif dans votre carrière? Tu rampes pour l'instant. Là, tu fais des bisous encore, tu fais du karaté. Hop, tu refais des bisous. Là, t'en as marre, tu regardes le ciel. Oh non, il est vénère. Qu'est-ce qu'il fait? On n'a pas le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Ah, il ferme ta gueule parce qu'il était en train de parler. La plage. Avec qui? Virginie Le Doyen. La plus belle des plus belles. Ah, c'est mignon. Ah, t'es fort, hein. C'est un tournant, oui et non. Enfin, ce qui est formidable quand on fait un film qui sort dans le monde entier, c'est que fatalement, contrairement aux films français qui malheureusement sortent pas vraiment dans des circuits très restreints à l'étranger, ça permet d'avoir une exposition qui est très grande, et ça permet à des cinéastes qui sont pas nécessairement américains, qui peuvent être aussi asiatiques, grecs, espagnols, peu importe, éventuellement d'avoir envie de... Il y en a quelques-uns. Voilà. Donc d'avoir envie de travailler avec vous et ça, c'est une chance. Ouais. Un petit tour du côté de Bénudis. Allons-y, Bénudis. Ouais, le ciel est bleu toujours, c'est énorme. Dès que j'arrive sur les marches, il se met à pleuvoir. Je voulais juste vous tenir au courant puisque ça finit, la montée des marches est terminée. Là, et que je suis sous la pluie, merci à vous de m'avoir envoyé ici.
En même temps que les films présentés en compétition, les sections parallèles, etc., il y a le marché du film auquel se déplacent plus de 4000 personnes, où se vend, s'achète plein de choses. Distributeurs, producteurs sont tous là. Et je voulais vous montrer deux choses. La première, vous savez l'histoire du petit Elian Gonzalez, qui est le petit Cubain qui est parti de Cuba, qui a traversé avec sa mère, qui est morte en traversant, est allé aux États-Unis et qui a fait toute une histoire. Eh bien, le producteur Menahem Golan, qui avait produit Delta Force avec Chuck Norris, est déjà sur le coup pour faire un film inspiré de cette histoire. Ils Elian, ont peur de rien. Hein. The Gonzalez Boy Story, From Cuba to Miami, de Cuba à Miami, l'explosive et dramatique histoire. Et c'est tourné, c'est marqué là. Uh-huh. Tournage dans un lieu très secret et ça sera prêt pour septembre. Ouais. Voilà. Et la deuxième chose, si j'ai juste deux secondes à vous montrer. Non, on n'a pas encore la chute en même temps de l'histoire. Hein. Bon, bref. Ben non, parce qu'on ne sait pas la fin en fait, c'est ça. Ouais, donc, ouais. Et deuxième chose, des films extraordinaires sont vendus au marché du film. Il y en a que je vous conseille, Alex et Philippe. Voilà. Le premier, c'est Octopus 2. Je sais que vous avez adoré le premier. C'est l'histoire d'une pieuvre géante. Elle n'est pas contente et en plus, elle revient dans le 2. Il y a Disaster, des désastres. Il y en a plein et ça détruit des villes que je connais même pas. Ouais. Tank avec un gros tank. Spiders 2. Ouais. Alors là, regardez le montage. Il y a ils ont rajouté une araignée. Il y a des petits bonhommes qui sont démultipliés. Ouais. T'as pas un truc sympa, genre un truc de cul, non? Un truc quoi? Non, rien, je plaisante. C'est un truc une boutade. Non, rien du tout, rien du tout. Les derniers, Panique. D'accord. Un film catastrophe. Voilà ce qu'on peut voir au marché du film. Allez. Si ça vous tente, allez voir ça. D'accord. Et on se retrouve demain avec Sur les marches, Brian De Palma. Pour Mission to Mars. Merci beaucoup, Fred. À demain. À plus tard. Les montées des marches, je m'en parle, ça m'impressionne. C'est un truc tous les ans, ça m'impressionne. Le commentaire ou la montée? Non, ouais, déjà, Bénédicte, déjà, c'est l'arnaque de la télévision française. Et il commente des gens qui montent des escaliers. Ouais. Il dit, regarde, Roger Rochefort, il a mis le pied droit. Peut-être qu'il va mettre le pied gauche. Attention, il va mettre le pied droit encore, Elisa Kerna, putain. T'as déjà monté les marches? Bénédicte, si tu m'écoutes, rends l'argent de la télévision. c'est une grosse arnaque, ton histoire. Mais je tenais juste à le préciser. Après, Jamel, on va parler un petit peu ensemble. La tournée, ça se termine quand? C'est fini pour c'est ma part. C'est déjà terminé, d'accord. Voilà, tes notes, tu dis, t'as pas écrit, t'as fait n'importe quoi, t'as pas travaillé. Non, j'ai pas travaillé. Non, on va voir si tu vas t'emmerder. Hein, on va voir comment est-ce que tu vaux sans tes notes. Voilà. Voilà, maintenant, pose des questions. Alors. Hop, essaye d'innover, essaye de faire des contre-pieds. Non, vous l'avez vu en spectacle, Jamel? Voilà, tu t'es bien rattrapé, putain. Et Ken et Jekyll, ils ont un numéro au point, quand même. Avant que tu réussisses à nous faire battre... Moi, tous les ans, vous me la faites à l'envers. J'ai pas vu le spectacle de Jamel. Vous avez raté quelque chose. Je pense que la cassette va sortir un de ces quatre. On va pas faire téléachat non plus. Non, parce qu'en plus, ce qui va démarrer bien, c'est la troisième saison de H, la sitcom qui passe sur Canal, et on voulait se demander ce qui avait changé pour ton personnage. Est-ce qu'il devient, je sais pas, par exemple, intelligent, morphinomane, ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça, Philippe? Tu m'as dit, viens à l'émission, c'est mon invité, et tu me casses devant la blonde que je voulais pécho, là. Mais il rigole, c'est la télévision. J'ai étoffé un peu plus mon personnage, effectivement. Ouais. Il est un peu plus radieux, un peu plus ensoleillé, ce personnage. C'est un personnage qui, comme tu le sais, comme tu l'as vu dans la saison précédente, très bien, et il va être mieux. Mmh. C'est bien ou pas comme réponse? C'est bien, ça. La blonde, c'est bien comme réponse? C'est bien, il va être mieux. Et il y a le film avec Bakri. Peux-tu nous en dire un petit mot ou c'est encore secret? Il sort le 2 février 2001, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. On ne sait pas de quel sujet de conversation on va traiter dans ce film. Enfin, vous ne voulez pas en parler, ça, surtout. Vous tournez quand? On ne va pas tourner le film, mais il sort quand même en 2001. Et on ne va pas l'écrire, peut-être, avec Jean-Pierre. On ne va pas tourner dedans. Mais il sort le 2 janvier 2001. Et il y a un titre? Non, bah non. Non, il n'y a pas de titre. D'accord. Ça s'appelle le 2 janvier 2001, le d'accord, titre. C'est pas mal, ça change. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Hein, ça fait marrer, ça. Tu te marres, t'es bien, t'es content, hein. Toi aussi, t'es une arnaque. Ouais, moi, je suis bien. Ok, tu es dans une émission d'escroc, et c'est pas grave. Quant à Virginie, elle a terminé le tournage du nouveau film de Jean-François Richer, qui avait fait Ma Cité avec Raquet, dans lequel vous apparaissiez également. Comment on peut le classer, ce garçon qui est un peu... C'est un idéologue? Il est inclassable, et c'est ça qui est très bien, justement. Mais il faut nous aider quand même, parce que... Il est marxiste-léniniste, entre autres choses. C'est-à-dire marxiste? Voilà, John Mayer. Non, c'est un metteur en scène qui a fait deux films, qui a appris le cinéma comme ça, du jour au lendemain, tout seul, qui n'a pas fait d'école, qui est brillant, qui est assez radical, et qui est surtout quelqu'un de formidable. Je suis très nulle pour les descriptions de personnes. Non, mais là, c'est clair. C'est très bien, moi, franchement, bien compris, je ne l'aimais pas, maintenant, je l'aime bien. Non, je rigole, je l'aimais bien, Jean-François. Mais moi, je voulais juste dire que Virginie, et je l'ai dit parce qu'on s'est croisés avant, qu'elle était resplendifère hier. T'as vu un peu sur la télé? Parce qu'elle a deux fois plus de mérite, parce qu'elle vit quand même d'Aubervilliers, du 93, faut pas l'oublier. C'est vrai, vous êtes la banlieue parisienne? Oui. Ah, c'était une vendeuse de shit à l'époque. Non, mais elle a... C'est vrai, je veux le dire.
Je veux pas mêler ce qui vous regarde pas, mais ça le ferait, une affiche avec vous deux quand même. Bah écoute, pourquoi pas. Hein, c'est vrai. Alors, en tout cas, si, pour savoir un peu plus ce qui se prépare du côté de Jean-François Richet avec Virginie Ledoyen, le journal du cinéma a rencontré Jean-François Richet, qui était pas très loin de Jean-François Stévenin. C'est parti. Un film d'amour. Là, c'est La Vie ordinaire, avec des gens qui sont plutôt tous qui essaient de s'en sortir. C'est une histoire de couple, même si c'est un peu violent quand même. Une fille qui pique un truc en supermarché à son poste, petites histoires. Et tout va bien pour elle, elle est amoureuse de son mec, elle attend un enfant, elle a un soutien parental qui est conséquent, il va lui arriver un problème. C'est pas le casse du siècle, c'est pas le grand fait divers qu'on a étouffé, c'est pas la grosse bavure. Des trucs comme ça, il y en a mais partout toute la journée. Est-ce que ce couple va quand même tenir malgré ce problème ou pas? Bon, il tient, parce que moi j'y crois à ça. Et voilà, c'est ce qu'on disait, on posait la question avec Philou, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce film? Non, juste... Bon, on va rester comme parce ça alors, parce que on va parler de vos cheveux. Non, parce que c'est un sujet qui est très... qui est assez, assez comme ça radical et violent, et si je devais raconter l'histoire... Ça griller le... Ouais, et puis ça raconterait pas le film. Ouais. On va essayer de la faire résumer par tu les connais bien, Omar et Fred. Oui, je veux dire, Jamel, ça va bien? Oui. Ton film, là, il sort le 2 janvier 2001, mais c'est un mercredi, c'est un mercredi, non? Ouais. C'est pour savoir comment on n'avait pas... Vous aussi, oui. Vous êtes des arnaques. Vraiment, ouais, ça, c'est un mercredi. Est-ce que ça peut t'aider pour le reste de ta carrière? Non, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas, voilà, en fait. Ta gueule, excuse-moi. Dégage. Oui. Arrête. Libère l'antenne. C'est toi, tu libères l'antenne. Non, il faut je voulais juste poser une question à Virginie, parce que, bon, tu... j'allais dire comme plein de gens qui... Ta gueule. J'ai une question à Virginie Ledoyen. C'est vrai, d'arriver du 93 et se retrouver sur les marches du Festival de Cannes, du Palais, c'est quand même impressionnant. Mais c'est impressionnant de toute façon, oui, bien sûr. Parce que non, mais je te jure, moi je vois les comédiens et les acteurs monter et tout, c'est quand même flippant. Hier, je regardais Gérard Depardieu monter, je pensais qu'il n'allait pas y arriver. Je pensais qu'il allait tomber à un moment donné. Tu parles de lui, mais est-ce que c'est pas parce que tu vas être amené à le rencontrer assez vite, puisqu'on parle de toi, mais bruyamment, pour Astérix 2 et Cléopâtre? Exact. Mais je peux pas en dire davantage. Et tu peux rien dire alors? Non, je peux rien dire. Donc t'es venu pour quoi? Pour rien? Rien, j'étais juste venu pour dire bonjour à Virginie Ledoyen. C'est tout. Le spectacle maintenant, donc c'est terminé, je pose la question. Mais... Parce que je suis très content, ça s'est super bien passé, alhamdoulilah, comme on dit chez moi. Bien sûr, bien sûr. Ça s'est super bien passé et très franchement, comme on a eu beaucoup de gens qu'on a laissé un peu frustrés, on remonte sur scène à l'Olympia à partir du mois de décembre. Oh, ça c'est sympa pour les ça, gens frustrés. Ça c'est extraordinaire, tu pourras venir. Ouais. Virginie, je t'invite. Et moi je peux mourir, hein, c'est ça l'idée. Ouais, attends, je sais pas beaucoup. Alors, ce qu'on peut vous annoncer d'ores et déjà, c'est que demain, on aura des invités qui risquent de t'intéresser, vous aussi, parce qu'Akhenaton sera sur ce plateau, leader d'IAM, avec Kamel Salé pour leur film, qui est très intéressant, ça s'appelle Comme un aimant, ça sortira bientôt en salle. Et il y aura également Sophie Guillemin. Bien sûr. Et Gilles Marchand. Bien sûr. Pour le film de Dominique Moll qui passe ce soir, qui s'appelle Harry, un ami qui vous veut du bien. Jamel, de toute façon, comme tu vas le prendre, on te le donne, le mot de la fin, avant qu'on l'offre à Virginie. Je voulais juste dire que moi, chaque année, chaque année, les trois dernières années où je suis venu, j'ai vu, les gens, ils sont là, ils sont patients, ils viennent, ils sont là, ils kiffent. Ça fait plaisir, ça nous fait kiffer de vous voir kiffer. Alors, vous faites du bruit. Merci beaucoup Virginie, à très bientôt. Merci à vous tous, c'est terminé pour ce soir. Direction Paris avec les infos de Daphné Roulier, ensuite Nagui et tous ses invités. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h20 sur la Croisette. Au revoir, merci. À demain.